De toi à moi, Rémi, je suis dans la merde. Pourquoi ? Il y a Nat qui veut qu'on fasse le test pour le sida. Oh, mais pourquoi ? Tu t'es fait choper ou quoi ? Mais non, même pas. Elle a rien dit, elle s'est même pas énervée, mais hier soir, on s'est remis aux capotes. Je comprends pas. Je suis irréprochable, Rémi. Oui, oui, je sais. J'efface tout dans mon portable, je laisse jamais rien traîner, j'ai des alibis en béton, t'es bien placé pour le savoir. Bien sûr, bah oui. Bah, c'est peut-être pas toi qui as merdé, hein, mon frangien. Comment ça ? Nathalie ? Non. J'avais pas pensé. Mais non, allez. Non. Oula, qu'est-ce qui te fait la petite tête? Hein ben... Oh, ça doit être du lourd. Montre ça. Montre. Bon, et ça reste entre nous, c'est ultra confidentiel. D'accord. Toi. Oui, ben y a rien à voir. Regarde bien. Et c'est mon bureau. Putain, comment tu fais? J'ai trouvé un logiciel qui pirate toutes les webcams et comme on est en réseau, j'ai accès à toutes celles de l'étage. T'es grand là. Attends, et montre-moi celle de Rémi. Et voilà. Oh, le glandeur en pleine action. Gagne-le, l'autre, attends. Putain, quand je pense que ce mec gagne deux fois mon salaire. Allô, Rémi? Ouais? Ah, t'es occupé? Ouais, bah enlève-toi les doigts des trous, hein, dégueulasse. Arrête. Mais je te vois, cherche pas, je te vois par ta webcam, là, du genou, là. Putain, ouais, tu fais chier, Franck, hein. Ouais, à la machine, avec Rafik. Ouais, bah, amène-toi, c'est énorme. Allez, t'hésitais. Putain, heureusement. Heureusement que je t'avais dit que c'était ultra confidentiel. Hein. Oui, bah, j'avais pas entendu. Bon, allez, fais péter les meufs. Non, rien à faire. Les meufs, Rafik. Non. Ouais, enfin, avec Martine, c'est moins marrant. Bah, elle bosse, elle. Ouais, bon, attends, j'essaie avec Stéphanie. Ouais, bah, y a personne. Ah, si. C'est qui, l'autre? Je sais pas, mais il cause pas boulot, en tout cas. Hein. Qu'est-ce que tu fais, là? Bah, je l'appelle pour qu'elle se redresse, on la voit mal, là, puis en plus, elle nous cache le vainqueur. Bah, arrête, mais t'es complètement nade, ou quoi? Chut, il lui fait péter le soutif, là. Oh, comment il pogne! Oh, putain, elle est méga bonne. Stéphanie? Ouais, c'est Francky. Je t'appelle juste pour te voir mieux. Enfin, voilà, mais... Bon, oublie ce message, hein, laisse tomber. Moi, je le connais pas, ce mec. Moi non plus, mais c'est un vainqueur. Alors, les gueules, c'est ça donne. Oh, rien. Quoi? Pas grand chose, hein, les gens liment, quoi. C'est... Ouais. Boss, tu sais, le train-train, tout ça, c'est vraiment... Montrez-moi, ouais. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Fais attention. Ouais, c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est chiant. Ah, oh, ouais, hein. Bah, ça me saoule, attends. Mais vous avez essayé avec Steph? Qui ça? Stéphanie. Oui. Non, je sais plus. Rafik? Hein, non, en fait, on peut pas. On peut pas, ça merde, ça bug. Oh, qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est quoi l'embrouille avec Steph, là? Rien du tout, attends. Mais y a pas d'embrouille, t'es complètement parano. Non, Jérôme! C'est Jérôme, qu'est-ce qu'il fout là? Oh, mon con! Ouais, ça m'étonnerait qu'il lui explique. Ah, hein. Putain, regarde-moi ça. Bras dessus, ils sont potes. Eh, Francky, je leur accompagne, je remonte, hein. Ouais, pas de problème. Cocufié par un ami, mais c'est pire que salaud, ça me dégoûte, je te jure. Ouais, enfin, en même temps, c'est Stéphanie, quoi. Qu'est-ce que tu fous? Bah, je vais me l'armer discretos. Non, arrête. Non, attends, c'est... Si, putain, deux secondes. Toute seule, maintenant? Putain. Mais c'est pas vrai, mais elle est... Elle est incroyable. Regarde-la. Oh, je te jure, j'adore ce mec, quoi. On se connaît depuis la troisième, on s'est jamais quitté. Lui et moi, c'est just for life. Ouais, il avait l'air d'avoir un bon tempérament. Oh. Et il est venu pour quoi? Ah non, pour rien, pour me dire bonjour. Puis comme il me trouvait pas, il est passé claquer la bise à Steph et puis il repartait. Adorable, mec. Ouais, Steph. Ouais. Oh, non, je t'arrête tout de suite, là. Je vois à quoi tu penses. Mais pas du tout, il est pédé comme un phoque. Ah, il veut pas en parler, hein, mais moi, je le sais, de source sûre. Puis depuis longtemps, toutes mes ex me l'ont dit. Toutes? Depuis la troisième, toutes, sans exception. Bon, sois pas jaloux, arrête.